C'est le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Dieudonné Odzimba Okito, qui a procédé à cette présentation devant l'autorité provinciale, Jacques Kiabula Katwe, qui avait à ses côtés son ministre de l'Intérieur, héritier Kyungu Kibwe. Selon le commissaire divisionnaire Dieudonné Odzimba Okito, ces hors-la-loi sont repartis en trois bandes. La première avait comme leader Jean-Louis Kasongo, porteur de deux armes AK-47 et de plusieurs munitions, est un repris de justice et spécialisé dans le braquage des expatriés travaillant dans les mines ainsi que des véhicules des minerais. Ils braquent les Chinois et les Libanais. Quand ils quittent les carrières, ils viennent ici en ville. C'est eux qui, pour la plupart des cas, volent des véhicules la nuit dans des résidences. Et souvent, ils ciblent des voitures de luxe. La deuxième bande est composée des pickpockets qui sèment terreur et panique au quartier Luo-Oshi dans la commune annexe. Et la troisième bande est dirigée par Kachelewa Kaozi, vendeur de stupéfiants et chef du rang des casseurs des vitres. Les services de sécurité ont réussi à mettre la main sur eux. En réaction, le gouverneur de province Jacques Kiabula Katwe a remercié la police pour ce travail qui contribue à assurer la sécurité sur toute l'étendue de la province. Nous sommes très contents du travail que vous venez d'abattre dans peu de temps que vous êtes à la tête de cette province. Évidemment, c'est des bandits mais armés avec deux armes et des munitions. Et nous voulons vous encourager pour que ce travail se fasse et que la population retrouve sa quiétude. Jacques Kiabula Katwe promet par ailleurs d'envisager de nouveau le transfèrement des prisonniers du Haut-Katanga vers d'autres prisons du pays. Donc ils seront déférés devant la justice, mais que nous ayons la possibilité de les envoyer loin de notre province, comme ce fut le cas à un certain moment avec Angeng. Ce coup de filet des services de sécurité intervient près d'une semaine seulement après l'installation du nouveau commandement de la police dans les Haut-Katanga.